Chaque semaine, plus de 6 tonnes de poudre blanche transitent par Morrocoyo. Les cargaisons sont stockées sur place en attendant de partir pour le Brésil, les États-Unis et l'Europe. Le butchon du coin, c'est Antonio. Il doit assurer la sécurité de la coke. Sauf que rester H24 au milieu de la poudre, c'est un boulot très stressant. C'est comme filer les clés de la cuisine à un gamin obèse. Et tout le monde sait ce qui se passe quand on bouffe trop de sucre. On pète un câble, on se méfie du téléphone, on fait plus confiance à personne, on délaisse même sa chair et tendre. Et on finit par plus révéler à personne quand les cargaisons arrivent, avant qu'elles arrivent. En matière de transport de coke, Antonio est un coffre. Un coffre que j'ai bien l'intention de faire sauter.